Bonjour, mes nains, c'est Papillon de venir. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu prise par le temps, j'ai un peu traîné ce matin et donc me voilà un petit peu tard pour faire ce que j'ai à faire. Donc, je vous prépare un gâteau en même temps que je vous parle. Alors, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que c'est bientôt la nouvelle lune, donc le 13. Donc mercredi et on est donc dans une nouvelle lune je vais dire comme les autres plein de changements, plein de possibilités. Encore une fois, enfin, je pense qu'en cette période on est vraiment dans un mouvement, dans quelque chose qui est occupé de se mettre en place pour énormément de personnes. Donc je pense que tous les changements qui s'opèrent dans l'univers sont là pour nous booster et nous pousser vraiment vers ce qu'on a à faire. Donc tout est là pour nous, pour vraiment nous pousser là où on doit aller. Et dans les changements qu'on a à opérer. Donc, alors je vous invite vraiment à intérioriser encore, à être prêt à accueillir tous ces changements et tout ce qui est là. Donc, alors je suis occupée de me demander si je vous ai dit bonjour, mes nains, fait papillon de venir. Je ne crois pas que je l'ai fait avant de commencer. Enfin, donc voilà. Juste comme ça, je t'occupais de penser à ça. Donc voilà. Et donc, cette pleine lune, cette nouvelle lune est là vraiment encore pour nous accueillir et nous amener là où on doit aller. Et que je regarde bien ce que je fais aussi, que je ne mets pas. Donc voilà, c'est vraiment, ça nous pousse vraiment là où on doit aller. Il n'y a rien à faire. Si on doit y aller, on ira. On sera poussé de toute façon à aller là où on doit. Donc, ben, il n'y a plus qu'à, hein? Il n'y a plus qu'à. Il faut le faire. C'est tout. Bouger. Mais en même temps, allez, soyez conscient de là où vous devez aller. Vraiment intérioriser, aller chercher à l'intérieur de vous ce pourquoi vous êtes ici et ce que vous avez à faire. Et faites-le, parce qu'il ne suffit pas de savoir et de dire, ah oui, ben oui, c'est ça que je dois faire. Mais en même temps, si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et ça ne sera pas tout seul. Donc, vous n'avez pas le choix que de bouger et faire ce que vous avez à faire. Donc, vraiment, vraiment, je vous encourage très fortement à mettre les choses en place, à avancer, à bouger dans ce que vous avez à faire et le faire. Le faire vraiment. Vraiment, passer à l'action, passer à l'action. Et mettre les choses en place. Si vous ne savez pas encore ce que vous avez à faire, faites les recherches. Faites les recherches. Faites les introspections nécessaires pour savoir où vous devez aller. Ou demandez les signes. Demandez des signes, demandez des informations. Là, pour l'instant, tout est là et tout est possible. L'univers conspire à vous envoyer là où vous devez aller à partir du moment où vous avez envie de le faire. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous faire, aidez-vous. Faites-vous aider ou aidez-vous à aller là où vous devez aller et à faire ce que vous avez à faire. Vraiment, vraiment, je vous encourage très, très fortement
poser la question, demander à l'univers, à vos anges, qu'est-ce que j'ai à faire, où je dois aller, quelle direction je dois prendre. Et ils vous donneront des indications, mais n'en soyez attentif aux indications que vous allez recevoir et à ce que ce qu'on va vous dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre sur votre chemin pour vous guider vers ce que vous devez faire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En tout cas, cette nouvelle ligne qui arrive est encore hyper puissante, je suis sûre. Donc vraiment vraiment profitez de ces moments qui sont là vraiment pour nous porter et pour nous pousser là où on doit aller. Donc c'est le moment, c'est l'occasion, c'est vraiment 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 ce qui est là pour le moment, pour vraiment nous aider à aller là où on doit aller. Donc profitez-en, profitez de ce qui est là et de ces énergies qui sont là pour nous aider. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous partager? Non, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, préparez-vous déjà parce que je pense qu'on commence déjà à être dans cette énergie de nouvelle lune puisque c'est le 13, donc c'est toujours 3 jours avant et 3 jours après. Donc on commence déjà à être dans son énergie là. Donc préparez-vous et puis préparez aussi vos vœux bientôt et votre chèque d'abondance. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent dimanche, profitez bien et on se retrouve demain. Je vous embrasse.